Hey, voilà des poulpes. Salut tout le monde, c'est MLDG, on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft. Et je pointe le ciel parce que j'ai miné tout ce qu'il y avait au-dessus. Sur un coup de tête. Honnêtement, c'était sur un coup de tête. Parce que j'ai retiré tous les blocs de Nether Brick, ici, qu'il y avait sur le mur, là, pour ajouter du verre. Parce qu'au final, la porte, elle se trouve par là-bas. Et je voulais pouvoir voir à travers cette ferme à poulpes, par devant la porte. Et le problème, c'est que j'avais foutu un mur de briques, donc j'avais pas regardé où se trouvait, donc j'ai tout enlevé pour remettre du verre. J'en ai récupéré pas mal, vu qu'il y avait beaucoup de sable là-haut que j'ai récupéré, j'en ai même encore beaucoup dans les coffres en bas, il a fallu que je refasse d'ailleurs. Et ça marche plutôt bien, hein. Je me suis éloigné un peu pour reboucher une partie d'une rivière avec le sable que j'avais récupéré aussi, et j'ai récupéré 47 poches d'encre pour l'instant. On va aller voir si on peut en récupérer d'autres, sans les tuer bien sûr. Alors ouais. Par contre, il y a un souci, c'est que vous voyez, les poulpes restent en l'air. Je vous avais dit qu'il y avait un truc, c'était que là, vous voyez, je suis happé vers le bas. Tout simplement parce que c'est la flotte qui fait ça. Hop, on va récupérer la poche d'encre. Bah, il se trouve qu'avec la snapshot, ça a été changé. L'intelligence artificielle des poulpes... Tu vas mourir, s'il te plaît. Merci. L'intelligence artificielle des poulpes a été modifiée, ce qui fait que maintenant, ils vont plus vers le fond grâce à la flotte. Donc à un moment je me suis dit bon, j'ai pas trop avancé sur la structure, est-ce que je la modifie? Et puis finalement non, je me suis dit j'ai déjà récupéré 51 poches d'encre juste avec ça, donc si je fais le reste normalement... Oh, j'ai oublié un panneau là, tiens d'ailleurs. Donc si je fais le reste normalement il devrait pas y avoir de soucis. Donc c'est sûr ce sera moins efficace qu'en 1.7, mais bon tant pis, hein. C'est comme ça. Et sinon, je suis dans la nouvelle snapshot, la 14W18A, qui est sortie hier, il me semble. Parce que là, je tourne mercredi pour dimanche. Voilà, ça c'est dit. Je suis toujours en mode paisible, tout simplement pour optimiser le spawn des poulpes pour le moment. C'était pour vraiment voir si ça fonctionnait, hein, le spawn de poulpes. Et puis apparemment, ouais, ça marche bien. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a des nouvelles particules dans l'eau. D'ailleurs, je les ai même en face de moi. C'est quoi le délire? C'est ça? Non, c'est pas ça. Il y a des nouvelles particules, j'ai remarqué, dans l'eau. Là, je les vois pas, c'est bizarre, mais... si. Vous voyez, c'est des petites particules. C'est pas du noir, c'est de la transparence. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais enfin, bref. Les nouveautés de cette snapshot, mis à part le fait que les slime blocks, maintenant, on peut en faire des trampolines. Bon, c'était déjà le cas, mais si vous vous positionnez sur un slime block et vous actionnez un sticky piston ou un piston tout court... et que vous êtes propulsé en l'air, bah là, vous décollez quoi. Vous décollez pas super haut. Tiens, c'est bête que j'ai plus de slime là. Je suis à quelle couche? Et je fais un snapshot. Je fais un... C'est ça, ça s'appelle un snapshot. Hein. Je fais une capture d'écran. C'est bien quoi. Quelle couche? 39. Donc normalement, les... ça peut spawner. Parce que apparemment, j'étais dans un chunk à slime, vu que j'en ai récupéré deux. J'ai bien usé ma pioche que j'ai réparée encore. Là, ça va me coûter cher de la réparer encore, cette pioche là. Et sinon on peut voir que là c'est que du grès. Là où j'ai encore un peu de sable et du grès. Et là pareil, j'ai encore un peu de sable et du grès mélangé. Au niveau du stuff, j'ai récupéré la brique que j'avais faite. Je suis allé reminer de la polychède. Enfin pas la polychède mais du granit, pour faire de la polychède granit. C'est plus rapide. Oh oui, vas-y, donne-moi de l'encre. Bon, ils mettent du temps à mourir, mais bon. Je vais... d'ailleurs, là-dessus, je vais voir si je vais mettre une lame de lave pour quand ils tombent, histoire d'accélérer le processus de leur mort, tout en sachant que c'est sur cette plateforme-là que je vais mettre les minecarts. Hein. Enfin, le minecart hopper qui va faire le tour du bordel. Je vais voir ça. Enfin, bref, je vais continuer la structure, je vais la terminer, et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite. C'est quand même ballot ça. Voilà. Ok, on se retrouve à la base et c'est encore en train de charger ces conneries là. Allez, on charge. Ah bah, il y a vraiment du mal. Hop. Alors pourquoi ça charge? Et pourquoi je suis retourné en 14W11B? C'est marqué en haut à gauche. C'est tout simplement parce que je crache. J'ai pris le portail du Nether pour revenir par ici. Et je voulais récupérer déjà des rails, je vais les prendre tout de suite avant que j'oublie. Parce que j'ai terminé la ferme à poulpe, hein. Donc je vais prendre mes rails. Je vais pas en prendre autant quand même, faut pas.
Ah quoi que c'est quand même grand. Alors, on va prendre tout ça. Et donc du coup le souci qu'il y a. Ouh, je vais pas en avoir assez. Pardon, j'ai tapé sur le micro. Le souci qu'il y a, c'est que avec la nouvelle snapshot, je voulais vous montrer les slime blocks qui nous faisaient sauter. Et il se trouve que malheureusement, eh bien, je crache quand je prends le portail du Nether. Et le crash log m'indique qu'en fin de compte, si je crache, c'est tout simplement parce que y a trop d'entités dans mon monde. Donc du coup, vu qu'il y a trop d'entités, eh bien ça lag. Là concrètement, j'ai pas assez de rails propulseurs. Donc on va passer en mode duplication. Et du coup, on se retrouve quand j'en ai assez et on va commencer à installer les rails et on va voir un peu comment je vais m'en sortir là-bas. Voilà, donc à tout de suite. Ok, on est de retour et comme vous pouvez le voir, il y a encore des poulpes qui tombent. Ah ouais, ah oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Bon, il y a encore du zombie. Je me suis revenu en mode normal cette fois. Parce que bon, on va pas tout le temps rester en mode paisible. Hein. J'ai commencé à vouloir construire ça et puis je me suis dit merde, il faut peut-être que je recorde, non? Parce qu'en fin de compte, ça je savais plus comment le faire. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu et puis j'ai bien fait parce que je faisais n'importe quoi. Et du coup, j'ai trouvé la solution. Donc en fin de compte, ce rail est toujours activé. Ce qui fait que quand le minecart vide, le minecart hopper vide arrive, ici, hop, il est repropulsé pour aller rechercher les poches d'encre. Qui d'ailleurs, j'en ai beaucoup. Putain, 49 quoi. J'en ai encore un stack et d'autres derrière. Bref, et par contre, quand il y a des objets dedans, on va mettre un stack de pierre. Allez mon pote, hop, il va s'arrêter et le stack va être aspiré par le hopper, qui va être aspiré par un coffre, qui va être réaspiré par hopper pour aller ici. Donc, c'est temporaire ce stockage, parce que de toute façon, je ne pourrai pas repasser par là, hein, vu qu'il y aura tout le système de minecart. Je ferai quelque chose de plus propre parce que concrètement là-haut, on peut voir qu'il y a une petite ouverture. D'ailleurs, on va y aller, histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble là-haut. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Oh, tu lags. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est comme ça. J'avais fait une descente ici, puis finalement, la descente, elle est mieux là. Ça, c'est une dalle. Plutôt mettre un bloc comme ça on n'a pas de bug de lumière. Et je vais faire en sorte que toute la baie, enfin que toutes les vitres soient visibles. Donc ouais, je vais encore avoir de quoi miner, mais bon, j'aime bien miner, j'aime bien. Alors, juste que je la répare celle-ci avant parce que sinon elle va me lâcher, je pourrais plus m'en servir pour le beacon qu'il y a là-haut. Et va falloir que je torche aussi parce que maintenant que je me suis remis en normal, pardon, va falloir que je torche quoi. Meurs. Ok. Et donc pour empêcher les poulpes de tomber sur le réseau de minecart, j'ai ramené avec moi des dalles de pierre. Et du coup, il va falloir tout daller à ce niveau-là, me semble-t-il. Ouais, ce niveau-là, ça me va très bien. Donc du coup, on va pas daller tout de suite, parce qu'il faut d'abord que je pose tout le système de rails. Viens là, toi. Voilà. Et donc bon, ça c'est fini. Ouais, je vais faire une descente ici à l'arrache, on verra plus tard. Ça va dégager pour le moment. Parce qu'il faut que je mette toutes les minecarts ici. Je vais modifier aussi ça. On va pas mettre de minecarts sur de la terre, hors de question. Moi, ce sera sur de la pierre. Je veux que ce soit sur du dur. Que sur du dur. C'est plus prudent. Puis je vous le conseille d'ailleurs. Reviens là, le petit stack de pierre. Voilà. Alors oui, il y a une chose à savoir, c'est que là je suis retourné en 14W11B. Je voulais vous montrer la petite astuce avec les slime balls. Rappelez, au début de l'épisode, je vous ai parlé d'un trampoline. Mon Minecraft crash en fait. Il y a trop d'entités dans mon monde, là où il y a ma maison. Et c'est pour ça qu'il crash. Il me dit trop d'entités, stop, on veut pas. Crash, boum, dans ma tronche. Rien compris, je suis d'accord. Donc du coup, c'est mort. Et au niveau redstone, j'ai plus que ça. Il y en a peut-être ailleurs dans mon monde, mais il va falloir que je le cherche. Parce que je sais pas où il est. Et concrètement, il va falloir que je retourne miner, quoi. Parce que bon, on se retrouve un petit peu sur la paille, hein, sur la paille. On va prendre tous les rails sur soi. Ça, on le mettra plus tard, du coup. Tac, tac. On va alimenter les rails propulseurs avec... avec des torches.
Bon, le souci, c'est qu'avec la Snapshot, la 14W11B, les minecarts, c'est des fusées, quoi. Alors que ça a été rectifié dans les nouvelles Snapshots. Donc, on va faire comme si ça n'avait jamais changé, les minecarts. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, 13, et à partir de 13, on va... Oups. À partir de 13, on va en remettre un. Tac. Paf, paf. Voilà. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, peut-être en mettre un là aussi, ce serait pas mal. Oh, je suis descendu trop bas. Ouais, je pense que je vais en mettre dans les virages, c'est mieux. Comme ça. Du coup, lui, il faut que je l'alimente aussi. Tac. Puis on voit les poules qui tombent, hein. Ça c'est sympa ça. Ok. Et du coup, bah, on va faire des allers-retours comme ça, hein. Et je pense que je vais alimenter toute cette ligne-là. Ça ira plus vite. Je peux encore 10. C'est tendu, hein. Ouh! Elle va me lâcher. Allez. On est où? Deux. Oh la vache. Faut plus que je m'en serve. Je vais la ranger. Comme ça, c'est mort. Je m'en sers plus. Faut que j'aille en chercher une autre de toute façon. Parce que sinon, ça craint. Ça craint. Bah bravo. Bah allez, encore un petit coup. Voilà. On va poser une ligne de torche. Parce que de toute façon, ici, ça sera alimenté. Dégage-toi. On va remonter sans utiliser. Ah bah si, on est obligé d'utiliser la pioche. Bravo. Voilà. Oh là, je fais n'importe quoi. Bon, allez. Je fais une petite... Bon, voilà, parfait. Je fais une petite ellipse. Je vais chercher une nouvelle pioche. Je vais voir d'ailleurs si je peux la réparer, mais je pense pas. Oh, j'ai plus de blocs pour monter. Ça, c'est la galère, hein. C'est la galère. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est ne plus avoir de redstone, quoi. Oui, avant que je fasse l'ellipse, je vais vous montrer un peu pourquoi il y a une descente comme ça. La descente, je l'ai fait au niveau du portail et le portail, je l'ai déplacé. Parce qu'avant, le portail était ici et maintenant il se retrouve là. Donc, j'ai pas modifié les coordonnées dans le nether parce qu'il n'y a rien d'autre autour comme portail, donc ça changera pas la donne. Et là, on est à peu près au centre de la structure. Donc, du coup, si on se met à AFK ici ou quelque part en bas, les poulpes vont spawner et ils vont tomber et je récupérerai les loot. Et bah, avec la redstone que j'irai récupérer en minant. Je ferai une session minage, je ne sais pas quand. Je ferai un système où bah, tous les loots reviendra par ici. On fera une salle sûrement par là. Je ne sais pas encore. On verra. Quoi qu'il en soit, je pars chercher une nouvelle pioche. Je vais terminer les rails. Ça, c'est à cause de cette merde là. Je vais terminer les rails. Et je vais bah, poser les dalles du coup. Comme ça, la ferme à poulpe sera vraiment automatisée. Sera fonctionnel. J'aurai juste à torcher les environs, mais ça je le ferai plus tard parce que franchement j'ai un peu la flemme. Puis j'ai pas beaucoup de temps et j'ai plus de poulet. On va l'en chercher aussi. Et du coup on se retrouve, à tout de suite. Et voilà, c'est terminé. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Tous les rails, il y en a des rails. Hein. Je suis retourné en Snapshot 1418A. Je sais très bien que ça bug chez moi. Oh, dis donc. Pas le moment de dormir. Ouais, j'ai réussi à réparer ma pioche. D'ailleurs, ça m'a coûté tout mon XP. Même un petit peu plus, il a fallu que j'aille récupérer. Et du coup, pour que ça me coûte moins cher, j'ai pris une pioche qui ne servait à rien, qui avait solidité 2 et tout est touché de soie. Je les ai fusionnés, ce qui fait que maintenant j'ai une belle pioche touchée de soie. Je vais m'en servir. Hein. Du coup, c'est pratique, je peux avoir de la pierre lisse. Et ouais, donc du coup, je suis retourné en snapshot la 18A. Tout simplement pour pouvoir me servir des minecarts sans que ça bug. Parce que je les avais testés quand j'étais sur la précédente snapshot. Et le minecart déraillait, donc super merci quoi. Donc on va attendre. Le chemin est long malheureusement, donc on va attendre qu'il chope celui-là. Comme ça, on va bien le voir qu'il le chope. Et bah, là, concrètement, la construction en bas, je pense pas me prendre. Ah, il y en a un qui est tombé. Il est où? Il est là. Ah. Je pense pas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser. Les nouvelles particules qu'il y a dans l'eau, c'est pas les nouvelles.
Il y a toujours eu ces particules, c'est juste que c'est un bug de la snapshot. Ce qui fait qu'en gros, le tour des particules est transparent et bah, il y a toujours la transparence malgré ça. Je vais vous montrer d'ailleurs de plus. Ah bah tiens, il l'a aspiré, on l'a même pas vu. Merde. faut que je remonte. On va remonter par ici. Je vais vous montrer l'histoire des particules, histoire que vous compreniez un peu mieux c'est quoi l'histoire du bug là. On le voit très bien avec le portail du Nether, hein, parce que le portail du Nether génère beaucoup de particules. Et concrètement, voilà, ça fait ça fait des taches de partout, quoi. On peut bien voir les particules maintenant, hein, comment elles sont, c'est juste des petits pixels. Voilà, donc en gros, la construction en bas, je vais pas me prendre la tête, je pense qu'elle est terminée. J'aurai juste à terminer la réception des poches d'encre, hein, tout simplement. Et là-haut, ce qu'on va faire, d'ailleurs, il fait nuit, ça craint. Tac. On va s'équiper au cas où on se fasse attaquer. Ça va aller pour l'instant. Donc voilà, la construction est là. Et ici, ce que je vais faire, on m'a demandé de construire une pyramide dans le Nether. Mais j'ai envie de construire aussi une pyramide ici. Et je vais faire une pyramide en verre et en grès poli du coup. Vu que du grès, j'en ai récupéré la masse. Et ça va être un petit clin d'œil à Wix et Wax qui adore faire des pyramides. Vous le saurez plus tard, je pense, hein, qui aime bien faire des pyramides. Oh, j'ai spoil. Non, j'ai rien spoil du tout, rassurez-vous. Vous verrez. Mais en tout cas, il aime bien la mythologie grecque et la mythologie égyptienne. Donc, du coup, les pyramides, il aime bien ça. Et du coup, bah, je vais lui rendre en quelque sorte hommage en faisant une pyramide par ici. Putain, il est quand même vaste le désert. Hein. Il est vaste. Bref. Donc la pyramide, je vais faire un pattern à la con avec du verre et du grès poli. Ce sera juste décoratif. Hein. On pourra y rentrer à l'intérieur, mais il y aura un sol en verre. Je pense que je vais faire le sol en verre. D'ailleurs, je vais voir. Normalement, il me reste assez de sable pour le cuire. On va voir ça tout de suite. Déjà ici, je vais retirer ça. Ouais. Ok. Pff, il m'en reste qu'un. Ok, bon, ça déjà. Ok, du sable, du sable, du sable, du sable. Là, il n'y a que du grès, donc du coup, on fera du grès poli. Voilà, sable. Tac. Boum. Allez, vas-y. Et du coup, bah, je vais encore me faire masse de four pour pouvoir cuire rapidement, hein, parce que ça bug, hein, je crache quand je retourne chez moi. Ça fait chier ça, mais bon. C'est le jeu, hein, c'est le jeu. Alors, sable, sable, sable. À l'ancienne, hein, pour cuire rapidement. Je sais que j'ai mes fourneaux qui sont chez moi, mais comme vous l'ai dit, quand tu bugs, eh bah, tu l'as un petit peu dans le blada, hein, pour rester poli. Alors, ok, bien joué. Voilà. Est-ce qu'il va me rester? Oui, j'en avais miné beaucoup du charbon. Hein. J'en avais vraiment miné beaucoup. Ok. Et oh, j'en ai plus. J'en ai plus du tout. Ah, si. Je me disais aussi. Ok. Voilà. Bon bah du coup, on va. Je vais rester à AFK devant le temps que ça cuise et puis on commencera la construction. Bah tiens, pendant ce temps-là, je vais faire le grès poli. Et pour le grès poli, il suffit de prendre du grès. Boum! Voilà, grès poli, tout simplement. Il est plus joli, je trouve. Je vais peut-être me faire aussi du grès sculpté. Tant qu'à faire. Enfin, c'est le bordel dans les coffres, ça m'énerve quand c'est le bordel. Du grès sculpté. Alors pour faire du grès sculpté, c'est simple. On va prendre ça. Grès. Grès. Et grès. On va se faire des dalles de grès. Et avec les dalles de grès, voilà. Du grès sculpté. Donc on va en faire un peu. Boum boum. Voilà, 3 stacks, ça devrait aller. Je sais pas comment je vais les positionner sur la pyramide. Mais la pyramide, je vais pas y mettre des escaliers. Hein. Ce sera vraiment que des blocs. Je peux m'embêter à faire des escaliers. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve quand j'ai tout le matos. Enfin, j'aurais sûrement un petit peu commencé histoire de. Non, je sais pas. Bref, on verra bien. A tout de suite. Yeah. J'ai pu tuer quelques slimes. Je suis allé éclairer un peu les caves qu'il y avait un peu autour de la ferme à poulpe. Et du coup, j'ai récupéré pas mal de boules de slime.
Bon, j'en ai pas des masses, mais j'en ai assez pour faire un bloc, et c'est tout ce que je veux. Le reste, je m'en fous. Du coup, tac, tac, on va le mettre là, le bloc. Et je vais vous montrer, par contre, il va falloir que je crafte un piston. On va descendre tout ça pour que je puisse ranger mes affaires que je vais récupérer. Parce que là, les fours ont arrêté de cuire. J'en ai eu plus du verre, mais d'ailleurs, je vais vous montrer vite fait avant qu'on fasse le petit jeu du trampoline. Ce que j'ai fait, déjà, j'ai retiré le beacon. Allez, viens là, viens. Et j'ai tout recouvert de verre. Ce qui fait que là, tout est entièrement recouvert de verre. J'ai retiré le sable qu'il y avait autour pour avoir que de la grès. Que du grès, pardon. Et sûr que ce soit uniforme, hein, voilà. J'aurais juste à reboucher le trou en dessous. Je sais pas si je vais faire quelque chose au-dessus, hein, parce que concrètement ça fait haut. Là je crois, si, encore un peu de poulpe. Il n'y en a pas des masses, mais bon. J'ai pas encore tout à fait bien éclairé. Et puis de toute façon ici je pense que je vais me trouver un peu trop près. Aïe. Donc on va aller crafter ce piston. Et puis on va voir ensemble. Oh, j'espère que j'ai du bois par contre, sinon... Ah si, c'est bon. Sinon on laisse tomber, j'allais dire. Ça, il me faut de la pierre. Et c'est bon. Alors, tac, tac. Bois, poudre et fer. Voilà. Et ensuite il me faut un levier. Est-ce que j'en avais un levier? Nope, j'ai pas l'impression. Par contre, j'ai utilisé tous mes bâtons. Ouf. Oh là, cette chance. Cette chance. Hop. Voilà. Alors, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Et on va mettre un levier. Et vous allez voir que... Bing! C'est tellement excellent ça. Clac. Ouh, je me trompe de touche, voilà. On le refait. Bam! Ça c'est tellement mortel, il y a tellement moyen de faire des choses sympas. Et d'ailleurs j'ai vu une astuce. C'est sur un bateau. D'ailleurs est-ce qu'on peut le faire? Non je peux pas le faire parce que j'ai pas ce qu'il me faut. Enfin si j'ai ce qu'il me faut mais ça me prendrait trop de temps, c'est pas grave. Si vous voulez avec un bateau, on met le bloc de slime avec un piston et avec des tripwires on est détecté par... enfin le piston détecte qu'on passe avec les tripwires. Le piston avec le slime collant, enfin le bloc de slime, boum, il monte en l'air. Et avec le bateau, on passe et on fait un super jump avec le bateau. C'est vraiment sympa. Alors, du grès sculpté, du grès poli. On va mettre le grès, j'en veux pas. On va mettre le grès poli là. Du grès sculpté, voilà. Et on va prendre du verre que j'ai laissé là. Très bien. Du coup, ça, j'en ai plus besoin. Tam, mon clavier déconne toujours autant. Ok, et on va commencer ensemble la pyramide. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Déjà tu montes. Voilà. Ok. Le centre il est à peu près par là. Donc du coup ici, tac, on enlève le sable. Ouais c'est ça. Je suis bien au centre ici. Et en fin de compte là-bas j'ai une descente, mais je vais faire en sorte de pouvoir rester là. De monter, il y aura sûrement un grand escalier bien fait et tout, qui aura la classe, qui nous ramènera là. Et donc la pyramide, elle va commencer à se construire ici. Donc on va commencer par mettre une couche de grès poli. Ce sera déjà pas mal. La torche, tu dégages. C'est plus sympa de mettre du grès poli pour une pyramide parce que une pyramide, quand on regarde bien, c'est fait avec des briques. Alors que de la grès, la texture de la grès, vous voyez, ça forme un mur. Alors que ça, on voit bien que ça forme de la brique. Bon, avec mon pack de texture, on voit pas super bien. Enfin, par rapport à la grès, on voit qu'il y a quand même une différence. Mais avec le pack de texture par défaut, croyez-moi qu'on le voit bien. Voilà. Ensuite, il va falloir passer à l'intérieur. C'est-à-dire que la pyramide va commencer à monter. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va continuer sur du grès poli pour l'instant. Ce qui est pas mal. Tac. Ok. Mais de toute façon, au bout d'un moment, on va utiliser du verre. Il faudra qu'on utilise aussi notre grès sculpté. Qui est
fort sympathique, mais malheureusement avec mon pack de texture on voit pas des masses le grès sculpté. Grès poli. Voilà. C'est de faire une belle et grande pyramide. Bon, de toute façon, vu comment je. Mais merde, vu comment je construis la pyramide, on pourra pas la faire plus haute que je ne peux déjà la faire haute. Parce que vous avez compris. Et vas-y, tu mets pas ça là, merci. Tac tac. Ensuite, là par contre, on va se faire plaisir, on va se mettre une petite couche de verre. Voilà. Quoique la couche de verre, comment je vais la faire? Je peux la faire en anneau. Ou je peux la faire remonter. Alors je vais la faire en anneau pour l'instant. Et puis de toute façon, si c'est pas bien, on change, hein. Ça, de toute façon, on connaît la chanson. Si c'est pas terrible, on changera. J'aimerais terminer la pyramide au moins pour cet épisode. Comme ça, j'y reviens pas. Enfin, j'y reviens pas, sauf si bien sûr il y a des modifications à faire. On verra. Là, pour l'instant, ça va. Je suis en train de poser des blocs en dessous, mais quand ça, je vais devoir les mettre au-dessus, les blocs, ça va vite être moins drôle. Du coup, là, on peut directement fermer, puisque là, on peut passer. Voilà. Ensuite, on va remettre bon, une couche de verre, tant qu'à faire. On va mettre deux couches de verre. Yeah, c'est la classe. Enfin, il y a certains morceaux de verre que je vais devoir retirer pour mettre du grès ou du grès sculpté, je sais pas encore, on va voir, pour que ça fasse une structure massif. Parce que là, concrètement, avec le verre, ça fait fragile. Parce que forcément, le verre, c'est une matière fragile en règle générale. Sauf le verre blindé, mais bon, je pense pas que c'est du verre blindé vu qu'on arrive à le péter à main nue, n'est-ce pas? Mais on va retirer quelques morceaux de verre pour pouvoir poser des blocs de grès ou de grès poli, histoire que ça fasse massif, comme je le dis, et que ça fasse construit. Vous voyez par exemple ici, bon, on peut directement le faire. Hop, on va retirer ça. On va retirer ça, et puis on va mettre de la grès sculptée, voilà. Bon, ça fait un peu léger là, donc on va retirer ça. Ok, et on va mettre ça là. Ok, voilà. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. La même ici. Et ça va remonter jusqu'au sommet de la pyramide en sculpté comme ça. Ça peut être sympa. Évidemment, ce sera fait dans les quatre coins, hein. C'est plus sympa aussi. On va d'abord terminer ça. Tac, 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 tac. Oh, j'ai envie d'aller plus vite. Voilà, c'est bien. L'avantage d'avoir une touche de soie maintenant sur cette pioche, c'est que je peux tout récupérer. Voilà, on va retirer ça aussi. Et on va mettre du sculpté. Tac, tac, tac. On va faire la même de l'autre côté aussi. Je pense que j'en mettrai aussi au centre. Parce que là, on est sur les coins. Mais on peut faire ça aussi sur les centres. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà, on va faire la même là-bas. Dernier coin. Après, on va repartir sur du grès poli, je pense. À moins qu'on fasse une. Ouais, on va faire une rangée de grès poli, une rangée de grès sculpté et une rangée de grès poli. Ça peut être bien. Ça peut être pas mal. Ouais, ça va. Une belle et grande pyramide, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on avait dit grès poli. Voilà. Bon, j'aurais dû mettre du grès sculpté ici, mais c'est pas grave, on changera plus tard. Allez. T'as, quand on maîtrise la marche, ça va. Que là, être en sneak, merci, mais c'est long. Grès poli. Oh, fuck. Est-ce que je peux le mettre là? Ouais, je peux le mettre là. Alors, vas-y, on va le mettre là. Ah, ok. Donc, encore une fois, c'est juste aspect décoratif. Il y aura vraiment rien à l'intérieur, pardon. Ok, c'est bon, on a fait le tour. Il y aura rien à l'intérieur, c'est juste histoire de faire un truc sympa. Et là, on va repartir sur une bande de grès sculpté. Ne tombe pas, bonhomme. C'est bien, c'est plus on monte, moins on met de blocs. Donc plus on va vite. Oh, je pense qu'on peut le terminer en vidéo, ça, hein. Bon, c'est pas tip top en vidéo. D'ailleurs, la pyramide, elle sera pas tout à fait carrée, hein. Tant pis. On peut voir que ce coin-là est plus long que ce coin-là. Donc du coup, ça va faire un truc bizarre. Ah, ça fait chier ça par contre. À moins que, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée.
À moins qu'on fasse deux pyramides, dont une grande et une un peu plus petite. Dans ce cas-là, je vais terminer de faire cette rangée-là en grès poli. Alors, est-ce qu'il m'en reste? Oh oui, il m'en reste plein. Oh oui. C'est parfait tout ça. On va faire ce... Merde, on va faire cette rangée-là. Et ensuite, on va voir comment on va faire pour deux petites pyramides. Jamais fait, donc ça se trouve, je vais royal me planter, mais j'espère pas. Parce qu'en ce moment, je me plante assez souvent et c'est un petit peu chiant. Hein. Tac, 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 tac. Voilà, alors. Du coup, on va rester sur du grès poli. Hein. On va voir combien de blocs on en met là. Donc on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et on va revenir là. Et on va terminer une pyramide ici. Et puis l'autre derrière sera sûrement plus petite, je pense. Grès poli, s'il te plaît. Voilà. On va mettre... Ah, j'ai plus qu'une torche. Je déconne. J'en ai foutu un peu trop partout. Bon, j'espère que ce sera encore visible. Mais ça se trouve ici, c'est la même dimension. Attendez, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! 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 Je l'ai pas fait exprès, hein. Franchement, je l'ai pas fait exprès. Mais là, il y a moyen de faire deux pyramides comme ça. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool. On va refaire passer de la lumière. Putain, je fais n'importe quoi. Voilà. Dans cette fameuse pyramide. Enfin, dans ces deux pyramides, du coup, maintenant. Avec une rangée de verre. Voilà. Ça, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Une rangée de verre. Et ensuite, on va faire... ah, d'ailleurs. Là, il faut que la structure soit dure. Soit solide. Grès sculpté, s'il te plaît. Voilà. Bon, du coup, on va... Ouh, du coup, on fait pas beaucoup passer la lumière. Hein. Bon, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Fait tomber du verre, mais c'est pas grave non plus, ça aussi. Voilà. Tac. Ouais, c'est un peu chelou, mais ça passe. On va mettre ça comme ça. Allez, grep, on va faire un truc fou, hein. Grep poli. Voilà. Bloc. Non, grep poli. Bloc. Grep poli. Tac, et ici on va mettre un grès poli, voilà. Oh non. Grès sculpté. Attends, un peu de classe s'il te plaît. Voilà. Donc la première pyramide est faite. Oh, ça fait bizarre. Hein. De mettre du verre comme ça fait bizarre. Je voulais faire un truc stylé, mais... Le truc stylé se transforme en un truc un petit peu pourrave. Donc du coup, on va retirer ça et on va remettre... de la graisse sculptée, ça ira très bien, n'est-ce pas? Grès poli, graisse sculptée, grès poli et graisse sculptée, et il en reste à retirer. Merde, du coup, j'en ai encore d'autres à mettre. Voilà, et voilà, on ira chercher notre verre en bas après. Du coup, vu que j'ai qu'une torche, oh putain, mais ce clavier il va m'énerver. Hein. On va mettre la torche là-haut, je vais en prendre une autre en bas. Merci. Ou non. Tu m'as vu, ça bat. Oh non. Alors toi, des creepers, tu dégages. Va pas péter ma belle pyramide. C'est pas le moment. Enfin, ma belle pyramide. Elle est pas si moche que ça, hein. Elle est jolie. Voilà, elle est jolie. Tac. Et maintenant, on va faire la deuxième petite pyramide. Ce con, j'aurais aimé faire une grande pyramide, puis finalement, je voyais faire une pyramide, c'était un truc de fou. Hein. Parce que bon. Wix et Wax. Oh, mais c'est pas vrai ça! Bâtard. Wix et Wax avait fait une pyramide monstrueuse sur un serveur. Mais quand je dis monstrueuse, c'est monstrueux. Hein. Je sais pas si un jour il vous le montrera en vidéo, parce que c'est quand même assez impressionnant, mais. Bref, si un jour il la montre, je partagerai sa vidéo, donc faudra suivre, faudra regarder. Je vais récupérer un peu de torche parce que bon, la pyramide n'est pas très éclairée. Tant pis si par là-bas c'est moins éclairé, mais bon. Alors, bim.
On va mettre une torche là-bas aussi. Ici. Allez, quoi, mon ami? Là. Là. Où est-ce que je suis au centre? Oh putain, je suis pile poil au centre quoi. Et là. Voilà. La pyramide est éclairée. Du coup, on va récupérer notre stuff qui est à l'intérieur. Merci. On n'a pas un peu. Non, c'est bon. Et les poulpes spawnent toujours. Enfin, spawnent toujours. J'espère que c'est pas les mêmes que tout à l'heure. C'est possible que ce soit les mêmes que tout à l'heure. On va aller voir si la machine a bien fonctionné. Du coup, ouais, ça fait pas. Ça fait pas massif. Hein. Peut-être que de la pyramide, si on la regarde de loin, ça fait plus joli. Eh bah, bravo! C'est bien! C'est bien, continue. J'aime quand tu te casses les genoux. Voilà, on monte. Ouais, c'est vraiment pas super grand. Enfin bref, une petite construction comme ça banale. Hein. On va pas faire des constructions de fou. Déjà que tout l'intérieur, ça m'a pris un temps fou. Ça m'a demandé à faire réparer ma pioche, celle-ci. Même pas celle-ci, parce que j'en ai récupéré. Enfin, j'en avais une à la base que j'ai réparé une fois pour faire ce trou. Ces particules, c'est vraiment moche. Et minecart tourne toujours ou pas? Ouais, je l'entends. Que j'ai réparé deux fois, je crois. Ah ouais! J'avais mis deux stacks ici en me disant je vais regarder combien il y a de stacks là. Parce que j'ai un peu de merdier ici, il va falloir que je range aussi. Voilà, très bien. Et presque un stack, hein, le temps qu'on fasse la pyramide. Hein. Rien que le temps qu'on fasse la pyramide. Excellent, excellent. Donc ça marche bien. Donc là maintenant j'ai de l'encre, c'est cool. On va pouvoir faire des livres. Je vais voir, il y a peut-être des choses qu'on va faire en plus avec les livres. J'ai une petite idée. Enfin c'est pas tout à fait mon idée. D'ailleurs je vais quand même être direct avec la personne. Je vais lui demander son autorisation si je peux prendre son idée, parce que son idée est vraiment intéressante. Je vous en parle pas parce que si ça se trouve il me dira non et du coup bah on n'en parlera plus de cette idée là. Et puis je vous dirai même pas c'était quoi. Parce que je garde ça. Mais s'il accepte, eh bien on essaiera de mettre ça en place vu que ça demande. Enfin ça demande pas des livres, parce que lui il le fait sur des panneaux. Mais moi je le ferai sur des livres. Ça peut être sympa. Voilà. Bon bah écoutez les amis, je pense que c'est tout pour cet épisode. On est pas mal là, on a fait une belle pyramide, enfin belle double pyramide j'ai envie de dire. Voilà, regardez sur le côté. A chaque fois je dis ça, à chaque fois je dis ouais, merci d'avoir regardé, à bientôt. Et à chaque fois je continue de parler quoi. On va se mettre là-bas. C'est con, j'aurais aimé avoir des underpearls mais bon. Allez. Il va y avoir du mob là-haut ou pas? Non, ça va. Oh, le creeper là-bas il a clignoté. Voilà, deux petites pyramides comme ça. C'est mignon. C'est pas bien gros mais c'est déjà ça pour faire l'usine à poulpe. C'était la moindre des choses. Donc cette fois-ci les amis, pour de bon, on va se laisser. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Bye.